Bonjour à vous mes chers Sagittaires et bienvenue sur votre guidance intemporelle. Ça veut dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo et non pas à partir du moment où je l'ai postée. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Sachez qu'on va faire un tirage, je ne vais pas poser de questions, je ne vais pas faire comme les taroscopes habituels. Là, je vais voir ce que les cartes souhaitent vous dire, quel est le message qu'elles ont à vous transmettre. On va faire un tirage d'une seule traite. Ça pourra parler du général, comme du professionnel, comme du sentimental, comme d'une situation dans laquelle vous êtes en train de vivre actuellement et dont vous avez besoin d'informations. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et les oracles que j'utilise. Je vous ai fait une vidéo bonus que je vous mettrai également dans le descriptif pour que vous puissiez y accéder et voir tous les jeux que j'ai utilisés. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti mes Sagittaires, je me concentre. On va regarder un petit peu ce que les cartes ont à vous dire. Quelle est la situation qu'elles souhaitent vous décrire? Pour les Sagittaires. Ok, bon, elle a voulu sortir celle-ci. Ici, c'est l'esprit du rhinocéros et on vous dit surmonter tous les obstacles. Donc peut-être qu'actuellement, vous avez une problématique à laquelle vous n'arrivez pas encore à trouver les solutions. Ou peut-être que vous êtes face à une impasse. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. On vous dit ici que ce n'est pas quelque chose qui va perdurer. C'est la carte numéro 50. Donc le 5 dans le tarot de Marseille, à savoir le hiérophante. Il se peut qu'il y ait une personne justement qui vous tende la main ou il se peut qu'il y ait une personne qui vous donne un conseil avisé qui vous permette justement d'enclencher une solution ou de trouver une porte de sortie. Et ici, ok, on a l'esprit du colibri qui nous parle d'être ici et maintenant. Vous êtes peut-être inquiet par rapport à quelque chose qui n'est pas encore arrivé ou peut-être que vous avez actuellement même, vous savez, parfois quand on a une bonne nouvelle, quand on est bien et qu'on se dit, bon, qu'est-ce qui me pend au nez, qu'est-ce qui m'attend, cette inquiétude en fait qui n'est pas forcément basée sur des faits mais sur notre projection. Et ici, j'ai d'ailleurs l'impression que c'est peut-être même plus ça parce que ici, quand on vous dit surmonter tous les obstacles, ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a un qui est présent face à vous. Ça peut peut-être dire qu'il est actuellement dans votre tête, mais pas forcément dans votre vie. Allez, on va regarder avec celui-ci pour savoir ce qu'il a à nous dire. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre? Ok, ici on a l'as de pentacle, et eh oui, et ici on a le 2 d'épée. Donc vous voyez, c'est quand même très lié à votre mental. C'est le 2 d'épée, c'est quand on a justement ce mental qui nous joue des tours, ce mental qui n'est pas notre allié, qui est plutôt actuellement notre ennemi. Parce que ici, peut-être que certains se sont vus proposer une opportunité. Il y a peut-être une offre actuellement, une proposition. Alors, on peut vraiment nous parler du travail, d'une formation, d'un nouveau projet, d'une idée. Ça peut être aussi d'une rencontre, quelque chose en tout cas qui peut avoir une vraie concrétisation. C'est pas simplement quelque chose que l'on vous dit, c'est quelque chose que l'on vous propose, mais c'est comme si ça allait vous sortir peut-être d'une zone de confort. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas avoir tous les éléments pour pouvoir accepter cette proposition ou pour pouvoir accepter cette idée. Et ici, ça vous met peut-être dans une situation mentale où vous réfléchissez à toutes les éventualités, mais surtout les éventualités négatives et pas forcément aux potentielles opportunités ou le côté favorable qui pourrait arriver via cette opportunité. On va regarder avec celui-ci pour savoir ce qu'il a à vous dire. Je vais d'abord prendre ça. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ici, on a la maison 12 qui est la maison du poisson, qui nous parle des rêves, qui nous parle également de notre monde intérieur, qui nous parle aussi d'illusions.
On va regarder un peu plus précisément. Et ici, on vous parle du nœud sud qui nous parle du point de départ. Et derrière, j'ai le scorpion. Alors, ici, c'est comme s'il y avait peut-être une opportunité de recommencer une chose dans votre vie ou de démarrer quelque chose, mais vous le démarrez à son commencement, vous le démarrez au début. C'est pas comme si vous arriviez déjà en terrain conquis. Et c'est peut-être ça aussi, c'est de vous mettre dans la peau d'un apprenti, et pas d'un maître, pas de quelqu'un qui maîtrise déjà la situation. Ici, je sens qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui pourrait se passer et ça peut vous mettre dans une zone d'inconfort. Je vais juste regarder avec celui-ci et je vous en parle juste après. Ici, on a l'aventure. Et oui, et pourtant, mes Sagittaires, vous êtes quand même le signe lié à l'aventure. Vous êtes celui qui a le plus envie de découvrir. Je pense qu'après vous, c'est les Gémeaux. Et vous avez normalement cet optimisme, ce côté un peu dans la carte du tarot, la carte du fou. Allez, j'y vais, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je me lance. Mais au fur et à mesure des épreuves de votre vie, de votre expérience, de votre passé, il se peut aujourd'hui que vous êtes plutôt dans une période de chat échaudé craint l'eau froide. Et pourtant, on vous dit ici que c'est quand même une opportunité qui peut être intéressante. Alors certes, elle génère de l'inquiétude, peut-être des angoisses, mais elle a une vraie potentialité. Ici, on nous parle de l'abondance. Et ben voilà, il y a une vraie opportunité hein, qui vous attend. Et ici, on nous parle du message. Je sens que, et derrière, hop, on a le choix. Donc il y a quelque chose ici qui vous tiraille, il y a un choix à faire. J'y vais pas, j'avance, je recule. Est-ce que je décide de rester dans ce travail ou de faire cette formation? Est-ce que je décide de regarder les opportunités? Est-ce que je pars à l'aventure avec cette personne? Est-ce que je m'engage avec cette personne? Bref, il y a en tout cas quelque chose qui se présente dans votre vie et tout d'un coup, on ne sait pas forcément quoi faire et on pense directement à tous les aspects négatifs plutôt qu'aux aspects positifs. Mais ici, je sens que le choix, de toute façon, va être fait. Ici, avec le message et la carte numéro 5, qui, moi, me faisait penser justement au hiérophante, ça me fait dire qu'on a justement envie de vous montrer les choses, peut-être par des synchronicités, par des messages, par des rêves, par des guidances. On a quand même envie que vous puissiez y voir clair, que vous sortiez de cette énergie de 2DP où on reste que dans le mental. Quand on vous dit d'être ici et maintenant, ça veut dire de regarder factuellement les choses et pas forcément de tout anticiper puisque c'est absolument impossible. C'est illusoire de croire que l'on contrôle les choses et que l'on arrive à tout anticiper. Ici, on vous dit qu'est-ce que vous avez aujourd'hui entre vos mains? Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez comme compétences, comme connaissances, comme qualité, qu'est-ce qui vous entoure actuellement? Revenez à l'instant pour savoir si cette opportunité peut vous convenir ou si ce n'est pas le cas, parce que dans la balance, ça pèse moins que ce que vous avez aujourd'hui. C'est un petit peu ça ici que l'on essaye en tout cas de vous faire voir. Je vais juste chercher le tarot, j'arrive tout de suite. Allez, c'est parti. On va regarder avec le tarot ce qu'il a à vous dire, quelles sont les précisions qu'il souhaite vous apporter. N'oubliez pas que c'est un tirage général et non pas un tirage personnalisé. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous savez comment faire. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, quelles sont les précisions que l'on souhaite leur apporter? Magnifique, cavalier d'épée. C'est intéressant parce que regardez, ici j'ai l'aventure et j'ai le cavalier d'épée. Donc on est en train de vous dire ici que pour une majorité d'entre vous, encore une fois, c'est un tirage général. Vous allez accepter cette opportunité, vous allez y aller, vous allez foncer, parce que entre l'aventure et le cavalier d'épée, là, l'aspect justement mental qui est là, qui est en boucle, stop, s'arrête, et cette fois-ci, on y va et on fonce. Il y a comme un switch ici qui se fait où on se dit, allez, advienne que pourra, comme dirait une amie, One Life, ah bah, qui est Sagittaire aussi d'ailleurs. Du coup, je pense qu'elle regardera ce tirage. Donc voilà, on y va, on tente, on fait et puis on verra bien. Et on vous dit que de toute façon,
Le but des choix, de faire des choix, c'est pas de vous retrouver sans aucune difficulté. C'est simplement d'arriver à s'adapter au moment où la difficulté se présentera. Et autant vous dire qu'il y aura forcément des difficultés qui se présenteront. Donc comme ça, au moins, vous êtes sûr d'une chose, rien n'est lisse et rien n'est facile dans tous les cas dans la vie. Allez, quels sont les messages que l'on souhaite dire à mes Sagittaires? Magnifique, as de bâton. Eh bien, vous avez. On sort de cette énergie ici mentale pour arriver vraiment cette fois-ci dans la matière, d'être concret, d'être factuel et d'avancer. Là, je sens qu'on est vraiment dans l'action. Pour certains, on aura mûrement réfléchi, on aura posé le pour et le contre, et on va se rendre compte que c'est peut-être une opportunité qu'on ne peut pas laisser passer, qui ne se représentera pas deux fois. Ça peut être une opportunité, ça peut être une personne. N'oubliez pas ici quand même que j'ai l'abondance. Donc l'abondance, ce n'est pas que l'aspect matériel, c'est aussi le bien-être, c'est aussi ce que l'on ressent au moment où on accepte, où on fait ce choix, où on commence à initier ce projet, cette idée, ou démarrer ce projet. Bref, quoi qu'il en soit, ici, on vous parle d'abondance, donc on vous parle quand même de quelque chose qui est bonne pour vous. Et si ça vous met autant... comment dire, dans un côté mental, dans une réflexion mentale, c'est pas pour rien, c'est parce que vous sentez qu'il y a un enjeu. Magnifique, j'ai le battleur. Bon, eh bien, écoutez, mes Sagittaires, hélas, de coupe. Alors, c'est un vrai nouveau départ pour vous. Alors, vraiment, ça peut parler de plusieurs choses puisque c'est un tirage collectif. Donc, je ne vais pas préciser pour savoir si c'est le travail, si c'est le cadre sentimental, si c'est le cadre personnel, si c'est le projet. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça va dégager de très belles énergies. Ce n'est pas tout de suite parce qu'on passe d'abord par la réflexion. Et j'ai même envie de dire pour certains des pensées limitantes, hein, faut dépasser tout ça, mais je sens que vous le dépassez. Je pense également qu'il y a une personne qui va bon gré mal gré vous aider, juste peut-être en vous disant quelque chose, ou peut-être que vous allez interroger les bonnes personnes, vous faire conseiller, peut-être que vous vous faites aider également par un thérapeute, par un coach, pour certains qui sont déjà dans ce suivi. Mais quoi qu'il en soit, ici, avec cette as de bâton, ce battleur est derrière, ici, j'ai l'as de coupe. Bon, très clairement, ici, on fonce et il y a un vrai nouveau départ pour vous, mais sur plein d'aspects. C'est-à-dire que ça va réveiller en vous différentes choses. L'aspect des coupes nous parle de l'aspect émotionnel, l'aspect sentimental. Le côté bâton va nous parler justement des passions, des envies et de l'action. Et le battleur, alors le battleur, c'est celui qui a justement différentes cartes entre ses mains. Il a le choix entre le bâton, le pentacle, la coupe et l'épée. Et il va choisir à bon escient justement ce qu'il lui faut à l'instant T. Donc vous avez un superbe tirage. Et bravo, et vraiment, je vous le souhaite, hein, mes Sagittaires. Alors, on va regarder d'abord le petit message conseil que l'on souhaite vous donner. Dans un premier temps, quel est le conseil que l'on souhaite donner aux Sagittaires? Incroyable! Ici, c'est la carte numéro 6 et on vous dit je fais un choix, je m'engage. On vous dit j'assume de nouvelles responsabilités familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles. Je m'engage dans une démarche responsable et mature. Bon, écoutez, vous avez un tirage absolument exceptionnel. Bravo. Voilà, profitez-en, regardez bien cette opportunité, y compris si vous souhaitez la laisser passer, de bien la regarder en face pour avoir un choix en toute connaissance de cause et par la suite assumer votre choix. Ne pas choisir, c'est également un choix, hein, sachez-le. Je vais également vous tirer une carte bonus. Alors là, ça peut concerner cette situation, mais ça peut concerner un tout autre message. C'est vraiment pour...
Un message qu'on a envie de vous transmettre, c'est le petit oracle. Non, c'est même pas le petit oracle, c'est l'oracle quotidien. Je vous remettrai de toute façon la vidéo bonus pour que vous puissiez le retrouver. Je vous en parlerai. Allez, pour les Sagittaires, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre pour finaliser cette guidance, s'il vous plaît? Ok, c'est celle-ci. Et ben voilà. Regardez ce que l'on vous dit ici. On vous dit dites oui et merci. On vous dit ici d'être en gratitude aussi par rapport à ce qui vient vers vous et à ce que vous avez déjà. On vous dit l'abondance, mais incroyable. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Écoutez, je pense, alors honnêtement, à chaque fois, moi je suis bluffée. Je pense que tout est dit. C'est vraiment la clôture de ce tirage. Ce n'est pas un autre message que l'on souhaite vous apporter. On voulait vraiment insister dessus en vous disant que soit actuellement, soit prochainement, il y a une opportunité qui rentre dans votre vie, une opportunité qui mérite de s'arrêter dessus, ne serait-ce que pour la regarder, d'être en gratitude qu'elle soit apparue dans votre vie. Et après, vous aurez votre propre choix, votre propre libre arbitre pour dire oui ou non. Voilà mes Sagittaires pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.